Salam alaikum wa rahmatullah, que la paix soit en vous, inshallah, mes frères, mes soeurs. J'espère que tout se passe bien dans votre vie. J'espère que la journée se passe bien. J'espère que vous êtes en bonne santé. Et courage à tous ceux qui travaillent en ce moment, cette période de Covid, où les gens sont souvent clos, très sous, tout seuls en ce moment, à part ceux qui sont leurs parents, leurs frères, leurs soeurs. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Paix à vous, paix sur vous, paix à tous vos proches, vos amis, vos frères, vos soeurs. Aujourd'hui, on se retrouve sur un son de Seifu. Seifu, moi, je suis un grand fan de Seifu depuis longtemps. Même 20 ans après, et c'est le son aujourd'hui de Interpellation. Je crois que j'écris à chaque fois, j'oublie les titres, c'est incroyable ça. Interpellation, donc voilà quoi. Et je remercie encore tous ceux qui sont abonnés, hein, qui ont 3-4 jours d'affilée, il y a quand même pas mal d'abonnés, donc vous abonnez, merci à vous. Alors moi, le truc qui est chiant avec les abonnés, c'est qu'il n'y a pas les gens qui s'abonnent, déjà qui s'abonnent par empathie. Et en général, la plupart des abonnés que je constate sur ma chaîne, ils suivent pas du tout les vidéos, mais alors pas du tout. C'est juste genre, tiens, je vais te donner un petit. Ça fait plaisir, hein, mais bon. Ils s'abonnent comme ça, ils mettent pas de commentaires, ils mettent jamais de likes, ils vont jamais faire les vidéos, en fait, je sais pas. Ils s'abonnent, ils disparaissent. Ils font ce qu'ils veulent après, mais bon. On peut pas forcer la main aux gens, mais bon, c'est bizarre. Ça n'a aucun intérêt dans le fond, mais bon. Ça fait plaisir d'avoir un abonné de plus, mais bon. J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui disent, tiens, je me suis abonné, merci à toi, j'aime bien ce que tu fais, je sais pas, bon. Parler tout simplement. Hein. S'ils apprécient le programme de ce que je fais, de ce que j'ai, quoi. Voilà, voilà, let's go. Aujourd'hui, je souffre avec le climat. J'ai des sueurs froides, là, je me mange des mains violettes chez moi. C'est cool, hein? Tu sens comment c'est puissant. Une date de mort et une date de naissance. Personne n'a été autant trahi que la confiance. Aujourd'hui encore, on éteint le feu avec de l'essence. Musculation mentale forte. Où ça fait mort comme un chat dans un concours de pute. Ici, les habitants, les mélodies sont des poils de modèle 7000 bien logés. C'est un fou, c'est chaud. L'espérance de vie est courte en GAV. Le comico en achève autant que le HIV. Coup de taser dans les tympans, ton dossier est archivé, ton dossier est archivé, il faut aller m'assortir de ces trucs. C'est ouf le frère. À l'assassin et le tribunal s'en réjouit. Putain, t'as vu ce qu'il dit sur les tribunaux. Prétextant que les rappeurs en ont fait l'apologie. Ici les noirs sont tétraplégiques, le traitement des arabes est pire que la trithérapie. Tu vois, tout ce qu'il dit, c'est trop fait rire en vrai. Putain, c'est ouf. C'est un des rappeurs les plus crus et malheureusement, moi je le trouve qu'il est très sous-coté ce mec, c'est abusé. Moi pour moi, tu vois, il mériterait des millions de vues sur tous ses clips. Malheureusement, la plupart des gens, ils ont pas l'oreille musicale à écouter du Seifu. Moi j'écoute depuis le départ, je m'en souviens à l'époque quand j'écoutais ça, quand ça existait au départ, son premier album. Qui suis-je? La plupart des gens, ils comprenaient rien. Qu'est-ce qu'il dit ce rappeur? Wesh, les gens ont pas. En fait, les gens, ils veulent tout le temps que les gens ils parlent français littéralement. Bonjour, merci, au revoir, bonne journée. Ils aiment pas les gens qui ont un accent, un style qu'ils ont voulu développer, quoi. Alors que maintenant c'est la mode, les voix différentes, genre Timal il gueule un peu, tu vois ce que je veux dire, avec sa drogue et tout, ou ISK, etc. Et chacun a son style, son flow vocal qu'il veut mettre, qu'il veut développer, quoi. Chacun a son bail. Si tout le monde aurait la même voix, on se ferait chier, quoi, tu vois ce que je veux dire. Bref. Les blancs sont les arbitres et beaucoup d'entre eux aimeraient niquer la grand-mère. T'as vu? Les blancs sont des arbitres. Et des élites. Ils voudraient niquer la grand-mère aux élites. C'est quoi ce truc? C'est un fou en fait, il est très réaliste à la fois, il est cru, il sort des trucs très. Étranger à domicile, le savoir est une arme et je suis armé d'un missile. Le savoir est une arme et je suis armé d'un missile. Bientôt 2025 et l'esclavage ne s'apprend toujours pas dans les livres. Interpellation musclée, perte de connaissances. Ça faisait longtemps que je l'ai pas écouté son là. La jeunesse éteint le feu avec de l'essence. La jeunesse éteint le feu avec de l'essence. Comment pas aimer ce genre de truc? Trop vrai. Interpellation musclée, perte de connaissance. La jeunesse éteint le feu avec de l'essence. Les gens, vous écoutez trop les générations de maintenant, c'est bien, hein, mais faut écouter, faut savoir se divertir musicalement parlant. Les traces sous vidéo, surveillance, mais tout est passé sous silence. L'avenir nous appartient, tout ça n'est qu'illusion. Dis-moi, l'avenir nous appartient, tout ça n'est qu'une illusion, la vérité. T'as vu un arabe dans un film de science-fiction? T'as déjà vu un arabe dans un film de science-fiction? Putain, c'est vrai. C'est comme souvent les films américains. À chaque fois que je regarde, moi j'ai des tonnes de DVD, comme j'ai déjà dit souvent. La plupart des films, après il y a des héros blacks aussi, mais souvent les blacks ils se font tuer ou torturer ou les deux. La vérité. Et même moi ça me fait mal. Alors là, je regarde un film, je regarde à chaque fois, il y a des blancs, il y a des blacks, tout ce que tu veux.
tout le temps, ou les Asiatiques. Des fois, dans un film, il n'y a pas souvent des Asiatiques dans un film américain en général. Mais quand tu vois un Asiatique, il va se faire buter. Et les blagues pareilles, ouais, on se demande des fois si c'est de la discrimination. Je peux me tromper après, mais. Des fois, ça rend parano, quoi, quand on voit ce qui se passe là-bas. La religion est vue comme une infraction. Côté du favori, les centres de détention. La représentation, c'est l'imam Chalboumi comme l'eau de consolation. Voilà, c'est la consternation. Ici, c'est les manchots qui ont le bras long. Ici, c'est les manchots qui ont le bras long. Que je prenne une balle dans la tête pour me décorer de la Légion. Tant que je serai. Ils attendent que je me prenne une balle dans la tête pour me décorer de la Légion. C'est un truc de ouf. Vivant, j'aurais tort d'avoir raison. Je serai célébré 20 ans après mon exécution. Je serai célébré 20 ans après mon exécution. C'est fou, hein, la vérité. La vérité sort de la bouche d'un canon et ta carcasse de la bouche de métro. Tu jacasses, on t'efface. Ils appellent ça la goutte de pisse qui fait déborder le vase. Mais pourquoi te justifier? Quand tu t'es justifié, tu t'es accusé. Mamadou restera Mamadou, sans papier ou décoré à l'Elysée. C'est dingue. La police assassine, elle assassine et les tribunaux s'en réjouissent. La police assassine, prétextant que le 9-3 en a fait l'apologie. Interpellation musclée, perte de connaissance. La jeunesse est à le feu avec de licence. Coup de taser dans les tabacs, perte de connaissance. Les preuves sont sous vidéo, surveillance, mais tout est passé sous silence. Interpellation musclée, perte de connaissance. La jeunesse est à le feu avec de licence. Coup de taser dans les tabacs, perte de connaissance. Les preuves sont sous vidéo, surveillance, mais tout est passé sous silence. Interpellation musclée, perte de connaissance. La jeunesse éteint le feu avec de l'essence. Coup de taser dans les tapes en perte de connaissance. Les preuves sont sous vidéo, surveillance, mais tout est passé sous silence. Interpellation musclée, perte de connaissance. Franchement, lourd, lourd, lourd. C'est fou, franchement, je le valais depuis longtemps, depuis le départ. C'est du lourd. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé. J'espère que vous allez liker, partager. Que je constate que moi, j'ai remarqué sur la chaîne, ça c'est psychologique de YouTube. Les gens, ils suivent bêtement, ouais, ZKR, parce qu'actuellement, ils cartonnent, donc automatiquement, il y a plus de vues sur les freestyles, les sons, les clips. Oui, SK, etc. Le truc, c'est chiant, mais j'essaie de faire découvrir aux gens des rappeurs qui connaissent peut-être pas tous. Hein. Il est connu de base, c'est Fiu, mais il y en a plein qui connaissent pas. Le truc, c'est que si je fais 30 vues dessus, ça n'a aucun intérêt, quoi. Le but, c'est de faire découvrir des artistes qui sont connus de base et qui sont peut-être plus sous-cotés que les rappeurs actuels. Parce qu'ils ne rappent pas dans le même style. Donc, ça serait bien. J'espère que vous allez partager un maximum. Il y aura au moins 100 vues, ça serait bien, quoi. C'est pas le but d'avoir de l'argent, rien à voir. Alors. Mais ça ferait plaisir d'avoir des vues. Au moins, je pourrais continuer sur ce genre de programme aussi. Changer de. Que si on met que, si on met que ZKR pour des vues et Freeze Corleone et tout, on va tourner en rond, mais à ce moment il n'y aura plus de son, quoi. Logique. Dans ZK, j'ai presque tourné sur tous les sons, quoi, à part certains sons de son album, quoi. Mais voilà, quoi. Il n'y a pas que ZKR dans l'Europe, quoi. Je veux dire, ça fait pas longtemps qu'il est dans le game, vraiment. Il y a plein de rappeurs comme Cynic et tout, tu vois. Après, les gens, il y en a qui kiffent Cynic, d'autres ils aiment pas, j'imagine. Mais bon, si on met toujours le même son, c'est lassant, quoi. C'est bien d'avoir des nouveaux programmations, quoi. Voilà, quoi. En tout cas, merci à vos abonnés, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui like. À ceux qui partagent et à tous ceux qui mettent des commentaires. En tout cas, je vous souhaite paix sur vous. Bonne journée à vous, Inch'Allah. Bonne fin de journée. Et à plus tard aujourd'hui ou à demain, Inch'Allah, si Dieu le veut. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ciao, ciao. Let's go.